Urvalon, chère vasseur, lumière, passion, cotation, chaque jour, nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action, invest sur votre estimation. Ah là 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 là. L'abaissement de la note par le S&P. C'est catastrophique. Bah non, pas vraiment. Alors effectivement, hein, c'est la première fois que ça baisse depuis très longtemps. Hein, je crois que c'est la dernière fois qu'ils avaient abaissé la note, le Standard & Poor's, c'était 2012-2013. Hein, donc c'est très vieux. Et alors déjà l'année dernière, il y avait déjà eu des soubresauts. On se disait, ouh, ça va se faire. Ça s'était pas fait. Ils l'avaient maintenu. Et là, ils ont fait, c'est bon. Arrêtez de rigoler maintenant, les gars, Joe. Hein, on vous abaisse votre note. Hein. Donc là, on est sur du AA-. Avant, on était sur du AA+. Il faut savoir que son triple A, la France l'a perdu. Il y a déjà belle lurette, hein, comme je vous dis, en 2012. Alors bon, franchement, ça va pas changer grand-chose à la donne entre nous. Hein. Bon, c'est pas très bon pour le gouvernement, ça c'est clair et net. Je pense que là, Bruno Le Maire va se faire limoger hein, à cause de ça, parce que c'est pas possible. On remarquera une chose hein, par rapport aux, vous savez, les motions de censure qu'il y avait eu. Et ben, ils avaient eu raison, hein, ceux qui voulaient voter des motions de censure. Ils ont fait tout passer le budget en 49.3, mais finalement, en fait, ceux qui étaient contre avaient raison. Hein. Donc, vous voyez hein, que le gouvernement, en fait, a s'obstiner quand on leur dit que c'est pas bon ce qu'ils font. Et ben, voilà où ils en sont hein, maintenant. Hein. Ils se font noter sévèrement par les agences de notation. Après, pour donner un exemple, hein, l'Italie, c'est du triple B, donc c'est beaucoup moins bon. Hein. Les seuls meilleurs que nous, je crois qu'il y a l'Allemagne et l'Autriche, hein, qui ont du AA+, les deux, il me semble. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va faire du coup la semaine prochaine sur le marché. Hein. Est-ce que ça va le faire chuter ou il va rien se passer hein, j'en sais rien. Alors, on a vu qu'en ce moment les marchés ont un peu de mal. Hein. Hein, on est en juin maintenant. Hein. Donc le fameux sell in May and go away, ben en fait on était encore dedans. Hein. C'est-à-dire que ben, y a peut-être des gens qui ont vendu le 31 mai hein, et on va voir en juin si ça se passe vraiment, le sell in May and go away. Hein, donc maintenant, on va voir si ça chute. Moi je suis prêt, hein, j'ai mon BX4. C'est vrai que là pour l'instant quand je regarde le VIX, il n'y a rien qui me dit que ça va chuter, c'est un peu le problème. C'est pour ça que j'ai pas augmenté ma position. J'ai laissé comme ça, j'ai fait bah ouais, je peux pas faire autrement hein, que de laisser la position comme ça et d'attendre que ça chute vraiment. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc comme je vous dis, l'abaissement de la notation, ça fait beaucoup jaser, mais ça va pas changer grand chose à la donne. Déjà même la vie pour vous. Hein, c'est juste que les banques centrales, quand les pays ont des mauvaises notes, ils prêtent moins ou les taux sont plus élevés. Mais ça ne changera pas grand-chose par rapport à la France. Ne hein, vous inquiétez pas. Par contre, Bruno Le Maire, il va avoir chaud aux fesses. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.